Captain de nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présent, que moi-même personnellement, moi victime déjà de sanctions SAIO en dans pays. Côté en 2007, justement, au niveau de États-Unis, yo t'ai relé nous, ou t'ai dit qu'il y a une suspicion de drogue sous nous, et yo prend des décisions contre visa nous, parce qu'il y a une suspicion. Et depuis le SAAN, tu as entamé une bataille qui t'a fait que, 3 ans après, au niveau de Wikileaks, nous t'ai dit que c'est Fritz Meuse, on est qui t'a accaparé pour Gonaïve là, qui t'a alpoté plainte, qui t'a dénoncé dans l'ambassade américaine le 5 mai 2005, parce qu'il n'a pas payé pour Gonaïve là. Il m'a dit le payer. Et le Sahara, bataille a été faite jusqu'à ce que, mal devant tribunal, jusqu'à ce que toute famille t'ait dit que ça, monsieur, t'ait fait à pas bon, nous allons devant tribunal et nous avons gagné bataille là. Et monsieur t'ai présenté, excuse-lui, parce que l'iconnaît ça, t'ait fait à pas de bon, c'est pour le décaire qu'à Paris pour qu'on arrive là. Il faut nous rappeler en passant, que pour ça actuellement dans l'État, puisque la bataille ça que nous avons faite là, c'était pour que l'État te récupère pour. Et le ça, nous venons arriver, nous voyons que pays comme les États-Unis te réévalué justement la question de sanctions que nous prenons contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022 vient arriver, nous venons retrouver nos situations côté international là, vient annoncer encore sanctions contre nous. Yovin, par la presse, nous apprenons ça, puisque Bajam signifie nous aucune décision. Immédiatement que question ça est venue, nous te dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça qui est arrivé déjà. Nous te entreprenons plusieurs actions. Actions que nous apprenons, nous te écrit pays États-Unis, nous te écrit pays Canada, parce que vous avez parlé de façon générale pour nous demander qui ça que vous reprochez nous spécifiquement. À date, vous n'avez jamais répondu. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail ça qui fait que nous venons découvrir un document, nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombify, et en français, les dossiers zombies. Côté que, livre ça a, ou a dit, été fait pour sénateur Yuri Latotu. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à n'en plus finir contre moi-même. Et là, nous avons gardé mes livres là, ni en français, ni en anglais. Mais, arrêté sous question sanction, il a tout. Dossier, parce que je suis toujours marché avec dossier. Je ne parle sans pas de dossier. Nous parlons de livre là, qui sortit en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui prend aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. Nous avons privé sur l'Italie. Ça nous est dans le livre là. Dans le livre, auteur livre là, sont un nom que nous avons eu Max Kill. Max Kill. Ça est très important, même pour arriver, c'est le maman dossier. Eh bien, ça nous est dans le livre ça. En 2019, que le livre là sorti, il dit, le livre là accusé, il dit que Yuri la tortue a fait drogue avec le pays Colombie. C'est ça qu'il dit dans le livre là. Non. Chapitre 9, page 147 et 148. C'est ça qu'il dit dans le livre là. Eh bien, dans la sanction, il prend 4 novembre 2022, il dit dans la décision que m'a fait drogue avec le pays Colombie. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. Il dit dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159, 164, 165. 166, 167, 168,
que m'a trafiqué zam avec l'Afrique du Sud. Yo dit dans sanction yo que moi-même tout m'a fait trafic zam avec pays étranger. Et dans le livre là, m'ta remet peut-être nous voir comment nèg ça qui écrit livre ça beaucoup arrivé sous non. Comment il définit, il dit m'a fait trafic zam avec pays l'Afrique du Sud, m'te gon compte de zam qui t'est arrivé dans douane Port-au-Prince. Pour qui ça ou pas qu'un conteneur parce que pas de courant, nèg qui t'a supervisé conteneur comme pas de courant, il pas supervisé, il te voyer aller comme ça. C'est pour montrer comment Max Kell nèg yo dit qui écrit livre ça, c'est on voyer monter puisque dans livre ça pas gain rien d'académique ni de prouvé. Troisième ça yo dit dans livre là. Yo dit me faire me participer dans violence. Yo dit moi t'al distribué zam en 2009 dans livre là oui avec René mon plaisir. Tout le monde te connaît que moi t'ai en opposition avec président Prival, pas qu'il y a aucun rapport entre moi-même et René mon plaisir. Yo dit dans livre là m'al distribué zam. Dans chapitre 11 page 169 et 175, dans chapitre 12 page 189 191. Alors que yo dit dans décision sanction yo que moi-même me fait violence également non avec bandit dans quartier populaire. Donc nous ouais exactement ça qui dit dans livre là yo vinn reprendre ni dans décision ça yo. N'a continue. Les gens li écrit par Max Kell. N'a gardé non nous ouais M A X K I L. Non c'est haïtien nouye et que nous pas besoin ni monsieur eh bien écrit livre là pour que li mette sous tout réseau Amazon la vendre alors que tout ça dit dans livre là son track international mais nous pas regarder beaucoup plus question puisque la novine al fouiller zo dans Kalalou, nous voyons que Ben Grabner, qui écrit sous corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur n'a pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier d'affaires, 1 million de monde dans la rue, n'a pas parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Dermalom, monsieur n'a pas parlé de Sophie Daï. Monsieur Papalé, de franchise, on rapport que le Sénat a fait, que nous t'y fait. Monsieur Papalé, de contrebande. Monsieur Papalé, de question passeport. Monsieur Papalé, de ONG. Pendant tout ça, il y a 10 rapports qui sont faits dans le Sénat qui ont dénoncé mon cap volé, dont moi-même principalement. Monsieur Papalé, de aucun dossier ça. Et puis, il a fouillé zone à Kalalou. Et là, il y a dans le livre là, n'allez, toujours. Dans la page 321, 324, Ben Grabner dit, mais qui est-ce qui était président d'Haïti? Mais qui est-ce, son ancien premier ministre, je ne vais pas citer dans le livre-là. C'est monsieur qui est président d'Haïti qui a fait meilleur, et c'est un homme qui premier dilapidateur, font Petro-Caribé. Et c'est le Sahara. Et c'est le Sahara. Enquête nous, à continuer. Et c'est le Sahara, nous vînons ouais, que le président Jovenel, en février 2019, te font discours, nous changer. Il te dit, mon opposition, c'est vous qui n'avez pas droit. C'est vous qui avez bandit. Et c'est le Sahara, vous te remettez, parce que le livre l'a sorti en mai, vous te remettez le rapport ça, contre tout le monde qui est en opposition, dont moi-même personnellement, qui te, eh bien, qui te fait Petro-Caribé, et nous changer. Rapport ça sont faux, puisque nous connaissons exactement le Sahara. C'est le président qui t'a payé, eh bien, et Anel, pour que l'été vini, puis il a fait démagogie, mais en même temps, il a fait un dossier. Ben Grabner, monsieur dit dans le livre là,
Regardez bien.